That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the What's up tout le monde, Gab les Gamers ici pour l'épisode numéro 58 de LSPDFR Québec. Merci tout le monde d'être là, merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 57. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez tantôt, c'est pas grave, c'est pas important. Aujourd'hui, on va patrouiller avec le Ford Explorer de la Sûreté du Québec avec les nouveaux skins. On va patrouiller dans le secteur de la campagne, surtout prendre des appels parce qu'aujourd'hui, on a un ami avec nous. Notre ami Cooper qui va patrouiller avec nous aujourd'hui. Donc Cooper, le berger allemand policier. Ça fait un petit bout, j'avais essayé de faire un épisode policier avec le chien. Puis ça avait été un petit peu, comment qu'on pourrait dire, fuck all. Parce que le chien faisait rien. Fait qu'on va faire une deuxième tentative aujourd'hui. C'est le même mode. On va espérer qu'il réagisse un peu plus à ce qui se passe autour de lui. Donc on va se concentrer sur ses appels. Puis si vous êtes prêts, ben on perdra pas plus de temps que ça. Attachez-vous, on va y aller de suite. Ah ouais, Cooper, I'm back. Bon chien, bon chien. Bon, c'était beau ça. Monsieur décide de pas faire son stop direct en avant de nous. Que on va aller y parler. Tassez-vous à droite dans la terre sur le campement, passez à la pancarte de 70. Juste ici à droite. Comme ça, c'est beau. Le 18 au CGA, on va être en triple 4 avec un Bison blanc. On est sur West Joshua Road à hauteur du Ace Liquor. Ok, reste là Cooper, je reviens dessus. On met l'empreinte, on s'avance encore un peu. Bonsoir monsieur, Gab le Gamer avec la Sûreté du Québec, vous savez pourquoi je l'arrête? Ouais, là-bas au coin de Panorama, vous avez un stop obligatoire que vous avez pas fait. Puis en skippant votre stop, ben, vous m'avez coupé la voie et j'avais le droit de passage. On a besoin de vos papiers, s'il vous plaît. Immatriculation, permis de conduire et preuve d'assurance du véhicule. Parfait, monsieur Maria. Puis est-ce qu'on a pris un coup aujourd'hui? Reste hydraté, ouais. Pas de drogue non plus dernièrement, non. Y a-tu quelque chose dans le véhicule qui devrait pas être là? Peut-être. Ok. Ben, laissez-moi faire des vérifications, monsieur Maria, je vous reviens tout de suite. Peut-être. Pourquoi est-ce que tu dirais ça à une police? Peut-être qu'il y a de quoi d'illégal. Bon. Ok, monsieur Maria. On va rouvrir notre ordinateur fidèle.
aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, son bison, les plaques sont valides, les assurances sont valides, son permis est valide. Il n'y a pas de mandat, s'est fait arrêter 3 fois, c'est bien lui. Ok, fait ça, il n'y a rien là. Ok, il n'y a rien à voir là-dessus, on va vérifier avec le dispatch pour être sûr. Le 18 au CGR, j'aurais besoin d'un type 1 s'il vous plaît sur le bison blanc, immatriculé du Québec. 2-4 Nora Henry Boy 859. Target vehicle license plate 2-4 Nora Henry Boy 859 no 1099. Capté, merci. Bon, fait qu'il n'y a vraiment rien sur le véhicule, mais ça m'intrigue qu'ils disent que peut-être qu'il y a quelque chose d'illégal. On va envoyer Cooper voir s'il peut faire un tour. Ah oui, sniff le char, Cooper. Sniff le char. Ça, c'est un bon chien. Bon chien, Cooper. Bon chien. Ok, Monsieur Maria, merci de votre patience. Voilà vos documents. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sortir du véhicule un instant? Vous m'avez dit tantôt qu'il pourrait peut-être avoir quelque chose illégal dans le véhicule. Donc, je veux juste faire un petit suivi vite. Puis le chien, il a reconnu l'odeur de narcotique dans votre véhicule. Donc, je vous demandais de sortir, s'il vous plaît. Parfait. Donc là, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous n'êtes pas en état d'arrestation pour l'instant, mais je vais quand même vous menoter pour ma sécurité. Donc, s'il vous plaît, vous juste mettre les mains derrière le dos. Je vais juste me noter, vu que je suis tout seul sur le bord de la rue pour faire l'investigation. Je vais faire ma petite fouille, puis si tout va bien, ben, on va vous relâcher. Donc, mettez-vous à genoux ici. Parfait, merci. Faire une petite fouille du véhicule. On trouve du shampoing sur le siège passager. Un conducteur, dis-je. Attention all units, we have a possible disturbance, a silent alarm triggered on Catclaw Avenue. Units respond code 2. Bon, pourquoi je suis pas capable de fouiller là? Bon, je suis pas capable de fouiller la boîte, mais on voit qu'il y a rien. Côté passager. Côté passager, on trouve... le mode qui veut bugger, qui veut faire son fin finot. Bon. Côté passager, on trouve de l'héroïne. Bon chien, Cooper. Bon chien. Hey, ça part en force. Là, je suis capable d'ouvrir la boîte, là. Ou je suis pas plus capable. Et... Search was canceled. Non, je suis pas capable. Good boy. Ben oui. Tiens, la gâterie. C'est bon. Bon, Monsieur Maria, j'ai trouvé de l'héroïne du côté passager de votre véhicule. Donc, vous êtes en état d'arrestation pour possession de narcotiques. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous en cours. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Puis, si vous ne pouvez pas vous en procurer un, on vous sera fourni d'office. Comprenez vos droits. Parfait. Donc, veuillez vous relever. Faire une petite fouille sur votre personne aussi pour être sûr que vous avez rien qui peut me blesser ou me piquer ou me faire mal ou me faire chier. Du Windex, puis un modèle de la Taurus RCMP, un modèle réduit. Bon, c'est bon que tu aies ça sur ta personne. Ça l'aide pas ton cas. Je vous mettrai pas en arrière du véhicule parce que c'est la cage pour mon chien. Je vais juste vous asseoir ici, s'il vous plaît. Comme ça, on va vous appeler un transport. Le 18 au CGR, je vais avoir besoin d'un transport pour mon client. Assistance required for a suspect placed under arrest. Oh, chier. And Sandy Shores. Level 27, rolling in from the southeast. I'm going to be right on top of them any second now. Roger. Bon, voilà notre transport déjà. Moi, on dit que le service est rapide. Quand un transport de prisonnier est plus rapide qu'une pizza, tu sais que t'es en business. Ok, lui il s'en va. Nous autres on a notre premier, on va faire remorquer son véhicule, c'est vrai. J'allais oublier ça.
18 pour nous aussi m'envoyer une remorqueur s'il vous plaît pour le véhicule. Non, pas ce véhicule-là. Ça me demandait si je voulais faire remorquer le véhicule de police. C'est pas lui, celui-là. Comme ça. Bon, c'est beau, Cooper, on va se rasser. Viens-t'en. On va se rasser dans le char. En attendant, Kerry. Pas chier, Cooper. Bel job. Puis on va attendre que notre towing arrive. Le v'là là-bas. Bon, parfait. Le 18 au CGA, je vais être 10-19. Parfait! Fait qu'on a notre premier pincement de la soirée. Fait que... on continue! On continue! On passe au prochain appel. Oh! Chance qu'on se concentrait ses appels. Deux chars qui font des affaires pas correctes proches de nous autres, on n'a pas le choix. Lui, il se promène pas de lumière. Pas de lumière, ça peut être un bon signe que personne n'est intoxiqué. Tassez-vous un petit peu plus dans l'accadement, s'il vous plaît. Comme ça, c'est beau. Le 18 au CGA, je vais être en 444 sur Marina Drive, direction Est, avec un BF Injunction. On est vis-à-vis le désert à la sortie du village. Reste là! Reste! Bonjour madame, Gab le Gamer avec la Sûreté du Québec. La raison pourquoi je vous arrête, c'est que je vous ai croisé là-bas puis vous rouliez sans vos phares de jour, sans vos phares de roulement sur le véhicule. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Vous avez oublié? Ok, puis le fait qu'il fasse noir comme dans le cul d'un ours, c'était pas assez pour vous rappeler qu'il fallait allumer ses lumières? Non? Ok, j'aurais besoin de vos pièces d'identité, s'il vous plaît, permis de conduire, matriculation, preuve d'assurance du véhicule. Madame Holmes? Ok, patientez un instant, je vous reviens avec ça. Madame Holmes. Ça, c'est la maladie de la rive sud, ça. Se promener, pas de lumière allumée. Maudit qu'il y en a dans le coin ici. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Donc, Madame Holmes, son PF injection. Valide, valide. Permis suspendu, Madame Holmes. Méchante, Madame Holmes. On va vérifier avec le dispatch juste pour être sûr de notre coup. 18 au CGA, j'ai besoin d'un type 1 s'il vous plaît sur le BF Injection. Numéro 07 Lincoln Whiskey Bravo 585. Target license plate. William 07, Boy. 07 Lincoln William Boy 585. A traffic felony. Proceed with caution. Je mélange mes deux alphabets phonétiques puis on confirme que vraiment madame son permis est suspendu. Donc, ok, on va aller parler, on va aller parler. On n'a pas de raison qui porte à croire qu'elle pourrait être intoxiquée. Elle nous a pas parlé de ça, elle a juste oublié. C'est une vieille madame, donc on va y laisser ça. Bonjour madame, merci de votre patience, voilà vos informations. Écoutez, en faisant des vérifications des systèmes, j'ai remarqué que votre permis était suspendu. Donc, pas expiré, mais vraiment suspendu, dans le sens que vous avez eu des étiquettes qui sont... soit pas payé ou trop de tickets que vous avez plus de points. Donc malheureusement, je vais devoir sévir là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous laisser une chance pour les lumières. Je ne vous donnerai pas le billet pour cette offense-là.
À la place, on va donner un billet d'infraction pour le permis invalide, ce qui fait 385 $ plus les frais, donc 450 $. Il n'y a aucun point d'inaptitude qui va s'ajouter à votre dossier, mais on va saisir le véhicule aujourd'hui. Vous allez pouvoir venir le chercher à Fourrières avec un ami qui a son permis valide ou venir le chercher quand vous allez pouvoir nous montrer que vous avez réglé vos comptes avec la Société de l'assurance automobile du Québec et que votre permis est maintenant valide. Donc, je vais quand même vous coller un taxi vu qu'il fait noir. On ne vous laissera pas sortir comme ça. Allez-vous-en pas trop loin. Parfait. Donc, votre véhicule va être amené à Fourrières. Vous allez juste venir au poste de police. On va vous donner les indications comment récupérer votre véhicule là, selon la condition que vous avez choisie. Donc, voilà votre taxi. Passez une belle soirée, soyez prudents. Vous allez faire des meilleurs choix dans le futur, j'espère. Et puis le towing qui arrive en même temps. Parfait, ça. Parfait, parfait, parfait. Pas besoin du pitou pour celle-là. Mais non. La 18, je vais être 19. Le 18 au CGA, je viens d'entendre une explosion. Est-ce que vous avez des rapports là-dessus? Capté, merci, en direction code 3. Bon, okay. On vient d'avoir un écrasement d'avion qui a eu lieu. On va se dépêcher sur les lieux de l'accident. On a entendu l'explosion, puis ça a l'air qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui ont appelé 911 pour rapporter ça. Donc, on va se dépêcher. Qui était loin pour qu'on entende l'explosion. Ça a l'air d'être juste dans le champ ici sur le côté. Je sais pas pourquoi que le GPS me fait passer par la route là. On va couper à travers ici. Une chance qu'on a un VUS. Éclairer. On va éclairer ça comme il faut. On allume les hautes, les takedowns et tout ce qui va avec. Effectivement, on a un avion ici. Le 18, je vais être 10-12. Il est à Cooper. Allô? Sûreté du Québec, il y a quelqu'un ici? Siège de la ville. Oh, il y a quelqu'un là. Le 18 au CGA, envoyez-moi un service d'urgence, s'il vous plaît. On a un homme down à côté de l'écrasement d'avion. On est dans le champ, pas loin de la route 13. Medical aid requested in Santianski Mountain Range. Units reporting an injured civilian. T'es où, Cooper? Ok, il est là. Bon chien, Cooper. An ambulance. Responding code 3. Bon, donc on va faire venir les services d'urgence pour un monsieur ici. Un écrasement d'avion. Je sais pas si c'est le pilote. On va essayer de trouver, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a de l'air être seul. Je sais pas s'il y aurait d'autres monde alentour. Parce qu'il n'est pas vraiment habillé comme un pilote. En fait, il est habillé comme un pilote de ligne, mais dans un Cessna, ça marche pas. Ouais, bon chien Cooper, ce sera pas long. Mais bon, monsieur, on va voir, voici une pièce d'identité sur lui. Oh, pas ça.
T'as rien vu. Pet isn't human. Ben non, puis lui. Bon, ok. Fait qu'il n'y a pas de pièce d'identité sur lui. On a les services d'urgence qui s'en viennent là-bas. Ben, juste pour qu'il nous voie. Le VUS de urgence santé et l'ambulance. Au moins, il n'y a pas de feu, il n'y a pas l'air d'avoir d'incendie, il n'y a plus d'hélice sur son avion. Il n'y a plus d'aile sur son avion. Il n'y a plus grand chose sur son avion finalement. Et. Ok, il va faire le RCR par télépathie. Je pense que c'est un record ça. Être à 10 pieds du corps puis faire le RCR. Je pense que c'est un nouveau record. Non? Bon, monsieur est décédé. C'est ton rapport final ça? Rien à faire? Non? Ok. Le 18 au CG, j'aurai besoin des services du coroner, s'il vous plaît. Bon. Maudit qu'il y a du service rapide, pareil. Les ambulances n'ont même pas encore parti que le coroner arrive. Ah ouais, viens-t'en. Ici. Parque-toi dans les quenouilles. Let's go! Watch out! C'est bon, moi je suis correct. On va checker leurs beaux uniformes nus. Check ça, comment c'est beau. Coroner. C'est beau ça, hein? Bon, ben y a rien qu'on peut faire pour monsieur. Malheureusement, un écrasement d'avion, j'aurais pas pensé qu'il puisse le ramener non plus. Il n'y a pas de l'air d'avoir de signe de parachute en nulle part, donc il n'y a pas eu le temps de s'éjecter. Fait que, excusez le jeu de mots, mais c'est snooké ça. Ok, on retourne en patron. Et ta Cooper. Ouais, le 18 en direction. Bon, il y a un appel qui vient de rentrer. Quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y avait une personne suspecte dans le désert. Donc on va aller à sa rencontre. On va aller voir qu'est-ce qui a inquiété la personne qui a appelé. Vivre 7, pas de flasher. On va aller voir cette personne-là. Pas vraiment de description, juste disait qu'il y avait... Bon, lui vient de passer sur le stop. Juste disait qu'il y avait un suspect qui était dans le secteur, qui devait pas être. Fait qu'on va aller parler, on va voir qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi qu'il est là à 3h, 4h du matin. Il a de l'air d'être proche des antennes satellites en plus. Terrain qui n'a pas d'accès pour le public là. On va essayer d'arriver par l'autre bord. Il y a une vanne en plus là.
J'aime pas ça. Ça sent pas bon. Ouais. Ok, on va aller. Le 18 sur zone, envoyez-moi une supplémentaire, s'il vous plaît. All units, an officer requiring assistance in Grande Sonora Desert, units respond code 2. C'est même pas la vanne, le gars, il est juste ici, là, à côté. Viens t'en, Cooper. Merci. Bonjour monsieur. Cable Gamer avec la Sûreté du Québec. On a eu un appel, quelqu'un qui fait une plainte comme de quoi que vous auriez pas d'affaires ici. Est-ce que... Qu'est-ce que vous faites au juste? C'est où les réponses? Je vois pas les réponses de ce qu'il me dit. Bon, il serait supposé avoir du texte quelque part en bas, puis ça le met pas. Bon, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Ok, vous travaillez sur les antennes, puis est-ce que vous avez des papiers ou un PO ou quelque chose qui montre que vous travaillez là-dessus? Ok, parfait, merci. Ça a l'air d'être en ordre. Vous êtes ici pour combien de temps? Ok, vous n'avez juste pour quelques minutes. C'est bon. Parfait. Ok, ben prochaine fois, s'il vous plaît, vous avertirez les autorités. Mais je vais vous demander votre une pièce d'identité, s'il vous plaît, juste pour les dossiers, là, confirmer tout ça. Parfait, monsieur Cranston. 18 au CGA, j'aurai besoin d'un type 2 s'il vous plaît sur un monsieur Cranston, Jam Cranston, ce sont les 40117. Capté, merci. Là je me demande, là je le vois, faites-vous-en pas, je l'ai vu. C'est écrit en rouge, je l'ai vu, mais je me demande si fallait que je demande une pièce d'identité avant, puis que c'est pour ça que le texte apparaissait pas. On va réessayer ça. Non, il n'y a rien qui marche. Ok, ben monsieur Cranston, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. En faisant des recherches avec votre nom, on découvre un mandat d'arrestation à votre nom. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien me suivre. Vous êtes en état d'arrestation pour le mandat qui pèse contre vous. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Puis si vous n'avez pas un vous sera fourni d'office. Comprenez vos droits. Parfait, merci. Toss-toi, Cooper, merci. Bel job du backup, pareil. Il arrive sur place, il reste là, il dit pas un mot, fait le tour, surveille mes arrières. On trouve un autre véhicule de la GRC, le Tao, ce coup-là, sur la personne, et un dildo, bien sûr, parce que c'est... J'ai gagné un Grand Theft Auto 5. On ne va pas passer un épisode sans trouver un dildo. Enfin, non, excusez, monsieur, pour rester là-bas, ça va être correct. Juste vous agenouiller ici, là. On fait une petite fouille de votre véhicule. Comme j'ai dit, on va fouiller son véhicule. Du côté conducteur, on trouve un iPhone, une boîte de chatons vivants et des carottes. Je sais pas si c'était pour les chatons, les carottes. Ça ferait du sens. En arrière dans la valise, on trouve une carte Petropoint, une boîte de Pogo. Puis du côté passager, un autre modèle réduit de la GRC. Si, bon, ils sont originales à soir. Faire une lecture de plaque sur le véhicule tant qu'à être là. 18 au CGA, besoin d'un type 1 s'il vous plaît sur le véhicule du client. Un burrito. Oups, pas fait le bon piton.
Un burrito, 62, Sam Robert William 450. Target license plate. 6-2-Sam-Robert-William-4-5-0-No-10-99. Ça appartient pas à lui. Il est au nom de sa blonde, probablement, Jennifer Gills. Atwing va l'embarquer quand même. Comme ça, il va arracher tous les poteaux de la clôture en le faisant. Nous autres, est-ce qu'on a fouillé lui? Oui, c'est vrai, on avait trouvé le dildo. Parfait. Donc, on va encore le transport pour monsieur. Ce qui va être probablement lui qui va le prendre. Excuse! Excuse-moi, constable. Non, viens ici, constable. Si vous faites rien, est-ce que vous pouvez amener le client au poste, s'il vous plaît? Assistance needed for a suspect placed non? Under OK, bon, on va encore là un autre, d'abord. Grande Sonora Desert. Roger, dispatch 27 en route to assist call 3. Roger. Bon, votre transport s'en vient. Ça sera pas très long. Donc, je suis désolé pour avoir coupé votre job court, mais il faut régler ça. Quand on a un mandat, vous allez pouvoir passer devant le juge puis vous expliquer. Je sais pas les détails exactement s'il s'agit de quoi, mais vous allez pouvoir voir devant lui puis essayer de régler ça demain matin. C'est ça, en cours. Okay. Là, le transport. Good day. Bon, parfait. C'est bon, tu peux y aller. Merci beaucoup pour le backup. Ça marchera pas, hein? Non. Ah oui, Cooper, I'm back. Un peu, on va te régler ça. Je sais pas où va la porte, c'est pas cool, hein? Non, non, pas en avant, Cooper. Cooper, pas en avant. Tu le sais, en arrière que ça va, les pitous. T'aurais pu fermer la porte, au moins? Ah, en bas. Bon chien, chien. OK. OK, fait que nous autres, on va aller au prochain. 18, montrez-moi 19. Unit 1 King 18. We have a traffic alert for an incident involving shots fired. Oui, le 18 capté en direction. Bon, fait qu'on vient d'avoir un appel, véhicule qui a été aperçu, que les occupants à bord sont recherchés pour une fusillade qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc on va essayer de les rattraper. Ça devrait pas être trop dur. Ils ont de l'air à être sur la piste d'atterrissage de Sandy Shore. On va juste essayer de découper ici environ. Tiens, on va passer par le champ ici. On est dans un VUS, on va en profiter. Donc ce serait le véhicule qui est là-bas là, qu'on voit à notre gauche. On va essayer de les surprendre. Déjà que sur le terrain de l'aéroport, ça va pas bien. Oh! Beau petit jump. Attention unit 1 King 18. Approach with caution. Bon, va sauver. Possible 148 on Panorama Drive. Là, 18, on va être en poursuite du véhicule. Il s'agit d'une coquette noire immatriculée du Québec. On va être en direction S sur Panorama Drive. Envoyez-moi un additionnel. Attention all units, an officer requiring assistance on Whoa. Gun, 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 gun!
Go, attaque, Cooper, attaque! Attaque! Go, go, go! Cooper, non! Attaque! Mort! Mort-les! Mort-les! Ah! You moron. Good job, Cooper! Beau pitou! Beau chien! T'es-tu correct? T'es-tu blessé? T'es-tu blessé? Arrête de bouger! Je veux juste checker si t'es blessé. T'es-tu correct? T'as-tu tiré le méchant monsieur? Ça a l'air correct. 18 au CGA, suspect neutralisé, envoyez-moi un service d'urgence, on est en face du Yellow Jack s'il vous plaît. Attention all units, medical aid requested in Grande Sonora. Bel job Cooper, good job. Bon. Viens-t'en. Ça, good. On va juste aller bloquer le chemin ici. A fire truck is responding code 3. Et à Cooper. Dispatch calling unit 1 King 18. We have a traffic alert for a grand theft. Ah, négatif, je vais être sur le cas du suspect neutralisé là au Yellow Jack. Bon. Fait que le gars a décidé qu'il sortait du char pendant que le char roulait pour nous tirer dessus. Cooper a neutralisé le suspect. Il s'est fait tirer une fois ou deux. Mais il a de l'air d'être correct. Il a de l'air en pleine santé. Je pense qu'il est resté dans le char. Ce coup-là, je vais juste vérifier pour être sûr là. Non, il est pas là. T'es où, Cooper? Ah, il est là, ok. Il est en arrière de moi. C'est bon. Je le voyais pas. Non? Bon. C'est 18 au CGA. Les paramédics ont déclaré le suspect TOA. Donc, envoyez-moi un service coroner, s'il vous plaît. Bon, ok. On va attendre que le coroner arrive. Ramasser le corps. Pendant ce temps-là, le truc de pompier va virer de bord à la Austin Powers. Ah, trois coups. Ok. Ça devrait pas être trop long. Le coroner s'en vient là. Lui éteint ses lumières pour être sûr de pas se faire voir. Tata. Bel job, Cooper. Bon chien. Donc, eux autres, ils vont le transporter. Dans l'auto. Dans l'auto, Cooper. En bas. Ça. On va juste aller voir le véhicule ici. Hey, t'es un tata avec ton truck, toi, hein? Allume donc tes lumières. Bon. Ah, ok. Donc, le véhicule, là. Donc, le suspect a été neutralisé quand même assez rapidement. On n'a pas eu le temps de checker ses identités, mais on va au moins faire l'enquête sur le véhicule. Il y a 18 au CGA, besoin d'un type 1, s'il vous plaît, sur la coquette du client. 07 Edward Queen Henry 589. Target vehicle license plate 07 Edward Queen Henry 589. Capté, merci. Bon, on va fouiller le char, voir qu'est-ce que ça dit. Donc, côté conducteur, on trouve des souliers, une fuse et son épicerie.
Côté passager, on trouve un GPS, 10 livres de feux d'artifice, puis des magazines porno, pour aller avec le dildo de l'autre tantôt. Puis dans la valise, je suis capable de fouiller la valise. Non? Bon, ok. Fait qu'il n'y a pas de valise. 18 au CG, envoyez-moi une remorqueuse, s'il vous plaît, au Yellow Jack. Bon. Parfait, on va juste attendre que la remorqueuse arrive pour ramasser le véhicule. Après ça, on va pouvoir réouvrir la route à la circulation. Là, il va-tu réussir à passer avec tous ces trucks là? Ça devrait. Viens-t'en. Ok, le char est ramassé. On peut réouvrir le chemin. Go Cooper, dépêche! Comme ça. Puis nous autres, ben c'est là-dessus qu'on va se laisser. Fait que merci d'avoir été là pour l'épisode numéro 58. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez pensé du chien Cooper, son rôle dans l'épisode, puis vos commentaires là-dessus. Comme toujours, un petit like, un petit partage pour montrer que vous aimez ce que je fais et m'encourager à en faire d'autres. J'ai pas vu un commentaire sur la vidéo de dimanche sur l'histoire des cartes d'affaires ou des t-shirts, des affaires que je pourrais faire pour attirer plus de monde sur la chaîne. Que j'aimerais bien savoir votre opinion là-dessus, savoir si ça pognerait, sinon j'en ferai pas faire. Puis c'est ça, donc soyez prudents pour le reste de la semaine. On a eu une belle surprise demain nature un matin, donc faites attention à vous autres. Puis on se revoit dimanche, bye bye. Bon chien Cooper, bon chien.